commencer à la remise des récompenses. On va commencer d'abord par la remise du 1 contre 1. Mais avant toute chose, je voulais vous présenter Monsieur Jomin, vice-président du comité régional olympique et sportif d'Île-de-France, qui assiste à la remise des récompenses. C'est un premier pas vers, on va dire, la reconnaissance du paintball, mais pas forcément un premier pas qui va être rapide, hein. Aujourd'hui, ça veut dire qu'effectivement, le sport régional considère que le paintball commence à faire partie du paysage sportif français. Et je tenais vraiment à le remercier très chaleureusement de sa présence. Il faut savoir que le comité régional a aussi participé à la remise des récompenses lors de la Ligue régionale d'Île-de-France, qui est la première ligue qui va peut-être intégrer le comité régional. Voilà, merci Monsieur Jomin. Je vous laisse un mot. Merci Monsieur le Président. Effectivement, la présence, elle est olympique, puisque effectivement, on espère tous, effectivement, quand un sport essaie d'avoir pignon sur rue, hein, c'est un peu pas un objectif, mais enfin, on y pense souvent. Mais je suis là, bien sûr, parce que d'une part, c'est une rencontre. Hein, Monsieur le Président, nous avons rencontré, on a rencontré la Ligue régionale. Nous avons aussi la chance aussi, nous avons élu une présidente. Hein, qui est Evelyne Sirieji, que je représente ici, qui aurait bien joué parmi nous, mais qui était déjà à la Ligue régionale. Voilà. Donc si nous sommes là, c'est que nous croyons aux... Ce n'est pas des sports émergents, mais c'est des sports qui existent déjà dans d'autres cultures, hein, et qui rentrent en Île-de-France depuis une vingtaine d'années, puisque vous avez fait les 20 ans, hein, c'est les 20 ans de championnat. Voilà. Donc nous sommes très heureux de pouvoir participer à cet événement. C'est quand même un championnat de France qui prouve quand même que vous existez, puisque, hein, c'est quand même une organisation exceptionnelle. Hein, ça veut dire aussi qu'il y a une activité nationale reconnue par ce championnat. Je sais aussi qu'il y a d'autres championnats auxquels vous participez bientôt à Londres. Hein, il y a des championnats européens et après, bon, il y a des mondiaux. Voilà. Et qu'il y a des athlètes qui représentent effectivement la France, hein, et l'ensemble des régions de la fédération. Voilà. Donc très content. Alors, je ne vais pas vous dire que je connais le sport. Non, je ne connais pas. Je connais effectivement ce que dit le président, l'aspect médiatique que l'on a pu avoir à un moment donné en forêt, etc., avec une connotation un peu négative, si on pouvait avoir au départ. Et je suis très heureux d'avoir découvert, hein, parce que je ne connais pas, hein, donc j'ai découvert complètement cette activité, et j'ai eu la chance d'avoir quand même le président qui m'a vraiment enseigné un peu tous les rudiments du paintball. J'étais un peu inquiet quand même, parce que bon, effectivement, c'est j'ai beaucoup posé de questions, hein, effectivement, j'ai vu les petites billes. À un moment donné, j'ai demandé ce qu'il y avait dans la petite bille, le président me l'a pris dans ses dents, j'ai eu peur, je lui ai dit c'est pas vous. Il m'a dit non, t'inquiète pas. Bon, voilà, écoutez, je ne vais pas retarder cette cérémonie. En tout cas, le temps était, vous voyez qu'en Île-de-France, de temps en temps, il fait beau aussi. Hein. Il paraît qu'à Toulouse, il fait pas beau. Mais bon, il pleut dans le sud, c'est vrai, non? Où est-ce qu'ils sont les gars du sud, ils sont là? Bon, voilà, donc on est bien là aujourd'hui, en Île-de-France, avec la fédération. Et je vous remercie beaucoup de tout ce que vous faites, et croyez-moi, il faut toujours sans cesse être en veille, si vous voulez, et découvrir ce que font un peu les autres, et ce que je disais au président, c'est que même en activité, il faut savoir qu'on fait partie aussi d'une grande nationalité sportive, hein, et on a beaucoup d'autres sports, effectivement, c'est l'ouverture qu'on pratiquait tout à l'heure, on en a parlé. Voilà. En tout cas, bravo à tout ce que vous faites, et je vous souhaite un très très bon avenir, et on sera là pour vous aider. Merci beaucoup. C'était donc le 20e championnat de France.